Salut, c'est Jean-Mathieu Taristas de la Réunion TV. La vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour jouer à la Primitiva, loterie espagnole, qui est l'une des plus anciennes loteries du monde entier et qui est l'une des plus grosses loteries du monde entier. Pourquoi c'est la plus ancienne loterie du monde entier? Tout simplement, la Primitiva Espagne est non seulement l'une des plus anciennes loteries du monde, avec des racines remontant à 1763, mais elle est également considérée comme l'une des plus grande loterie du monde, et elle est très très généreuse. Donc c'est pour ça que je vais me défouler, que je vais jouer à cette petite loterie là. C'est pour ça que je vais me défouler et jouer à cette petite loterie là. Et tout simplement parce que la cagnotte est de 53 millions et qu'il y a environ 2 mois de ça, j'ai rêvé que j'allais gagner 53 millions. Donc peut-être que c'était un rêve prémonitoire. Donc on y va. Et puis la Primitiva remonte au 18e siècle et gagne en popularité chaque année. Mais je sais pas, ça me Il m'attire bien ce loto-là. Hein, prépare-toi, prononce comme moi. Allez, on va faire un peu les espagnols. C'est la Primitiva. La Primitiva. C'est la plus grosse loterie espagnole. Allez, on y va, on y va. Et comment on fait, si vous voulez jouer à cette super loterie qui est la plus ancienne, la plus douce, la plus merveilleuse et la plus généreuse, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et non seulement vous pourrez jouer à cette loterie merveilleuse, délicieuse, gracieuse, mais en plus, grâce à mon petit lien, vous allez avoir des offres fidélité avantage comme j'ai là. Mais il faut surtout cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Sinon, il n'y aura pas d'avantage fidélité. Donc en fait, je vais vous montrer. Regardez bien. Donc là, je vais jouer. Et pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi quand je joue, je ne joue pas que un ticket ou deux tickets. Moi, je joue toujours des packages et généralement le plus gros package. Parce que pour moi, le loto, ce n'est pas une question de chance, mais le loto, c'est une question de probabilité. Donc là, en fait, vous allez voir, je prends mon package, ok. Donc là, voilà, 84 gris plus participation personnelle, 6 gris. Et là, comme vous allez voir, bon, ben, ça coûte 21,62 € et vous allez voir le nombre de comment dire ça de réduction que j'ai. Donc j'ai moins 7,5% parce que je suis au statut hors VIP, hein, donc moins 7,5% déjà 1,62 € de moins. Ensuite moins 15% tout simplement parce que j'ai droit à 15% de réduction. Voilà. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en fait j'ai 84 gris. 84 gris de loto, j'ai 84 gris qui sont à moi, hein, que je joue en groupe, que je partage avec 37 personnes, hein, qui ont décidé de jouer en groupe. C'est-à-dire que si on gagne les bons numéros sur une de ces 84 gris, on va se partager les gains entre 47 personnes. Et sur 53 millions, ça fait pas mal. D'ailleurs, c'est pour ça que je joue comme ça, parce que moi j'aime bien quand je joue avoir beaucoup de gris. Et par contre, j'ai aussi 6 gris personnels. Et les 6 gris personnels, ce sont mes gris à moi. Si je gagne, c'est que pour ma pomme. Donc là, je vais mettre mes numéros à moi, plus les autres numéros, je vais les laisser en flash. Ok? Donc, vous voyez, hein, là, voilà, il y a les flashs. Donc, moi, perso, je vais reflash shooter, parce que le numéro là, il ne me convient pas. Il me semble un peu chelou. Celui-là, je vais le laisser comme il est. Par contre, ces quatre-là, je vais mettre mes numéros. Donc, on y va vite fait. Okay. Voilà. Je vais jouer les numéros des plaques des véhicules se trouvant à l'extérieur. Vous voyez sur mon ordinateur, il y a marqué comme heure 11h31. En réalité, 11h31, c'est l'heure de l'île de la Réunion. Mais comme là en ce moment je me trouve en Guyane française, il est environ 4h ou 5h du matin pour moi. Et là vous allez voir, là en fait, ben, je vais jouer les plaques d'immatriculation de ces véhicules-là. Donc là,
je regarde encore une probabilité. Ah d'accord, il veut absolument que je garde les mêmes numéros. Ah ok. Bon ben donc pour celui-là je vais faire un flash. Ok, bon voilà. Ouais, donc là voilà, je fais mes petites grilles gentiment. Donc là voilà, mes grilles personnelles elles sont remplies. Du coup. Les grilles personnelles sont remplies. Okay. Donc là du coup on va remonter. Ah, j'ai mes grilles personnelles, ok. Il les a bien prises. Donc là, du coup, je vais lancer mon jeu. Je vais repartir là où j'étais. Je vais relancer mon jeu. Du coup, là, je vais relancer mon jeu. Voilà. Là, on va lancer la validation. Donc, jouer. Donc, du coup. 17 euros pour avoir plus de 84 grilles, franchement, c'est le top. Et allez, la primitiva. On va gagner. C'est pour le taux. J'aime trop, c'est la primitiva. Et là, vous voyez, j'ai juste à cliquer sur confirmer. Ouf, enfin, j'ai mis le ticket. Je suis rassuré. Il fallait absolument que je joue à ce loto de 53 millions là, sinon j'allais pas être rassuré. Parce que. Ah non, fallait pas que je rate ça. Donc là, vous voyez, j'ai fait ma prise de jeu. Tout est dans les normes, tout est honoré, tout est respecté. Pour vous qui voulez jouer aussi à la Primitiva, n'hésitez pas. Et puis bon, vous voyez, c'est vraiment une super loterie. Comme je vous ai dit, hein, si vous voulez jouer, cliquez sur le lien trouvant dans la description de cette vidéo. Et qu'est-ce que Wikipédia nous dit? Wikipédia nous dit... Oh, faut que je traduise la page encore en espagnol. Pour celui qui sait hablar espagnol, ça va. Mais moi, je ne sais pas bien hablar espagnol, en fait. Hein. Allez... Voilà, il a traduit, super. Super, il nous l'a traduit, super, on va aller en voir. Le loto, le loto primitive est un jeu de loterie, hein, par loterie d'état, consistant à choisir 6 numéros. Hein. Vous voyez, hein, c'est vu sur Wikipédia, c'est la plus vieille loterie du monde. Donc vous y jouez sur l'un des sites quand même les plus sûrs du monde, parce que ce site en ligne existe depuis 2002. Il y a déjà eu des millions et des millions de redistribués. Donc... défoulez-vous, et j'ai qu'une chose à vous dire, bonne chance. En tout cas, je vous remercie pour tout. C'était Jean-Mathieu Tarista, La Réunion TV.